soir les yeux levés sous Seigneur par la foi. Oui, que tout ça me bonsoir, amis internautes de la radio Télé-Réveil, dépendamment de l'heure pour regarder l'émission ça. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui vient tout pouvoir et nous comptons pour nous rentrer la caillou pour une autre série d'enseignements sur la foi. Toujours avec vous, la sœur Thésa Luchol et pasteur Joël Thermidor de l'église AGI, Assemblée Générale Indépendante des Sentinelles. Et une autre fois encore, nous saluons pasteur, comment on y est? Très bien avec Jésus, sœur Thésa. Bonjour amis internautes, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble, pour nous partager la parole de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, toujours sur la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui ça a porté pour nous aujourd'hui? Après-midi, nous répondrons ensemble les 5 grands résultats de la foi. Restez branchés amis internautes ou même cap suivre nous de près ou de loin, nous retournons pour nous débattre ensemble les 5 grands résultats de la foi. Internaute radio télévision réveil, merci pour fidélité ou ak patience ou pas oublier ou ka partager, commenter et liker sur chaîne YouTube nous qui c'est AGI de Delma 48 et sur page Facebook nous qui c'est pasteur Joël Thermidor AGI. N'abs aider antenne à pasteur Joël Thermidor qui prend la prière pour nous et pour élaborer 5 grands résultats de la foi. Gloire à Jésus-Christ. Nous on va le prier ensemble qu'elle soit côtoyée ou capable compléter tout. Nous allons prier pour nous commencer pour la gloire de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te remercions encore une fois de plus. Merci Père de gloire parce que vous rendez possible pour nous capables de chiter ensemble, pour nous capables de tendre et comprendre parole en ce qui a trait à la foi. Père, nous te demandons notre grâce, on va couvrir nous, on va remplir nous, on va bénir à mes nous qui bénir ensemble avec nous. On va couvrir de grâce et la foi va grandir de jour en jour jusqu'à ce que nous venir chercher pour entrer dans la gloire. Nous vous remercions pour ça, nous t'en prions pas à nous. Mais au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. La Bible vite, mes bien-aimés, comme nous sommes annoncés déjà, donc nous gagnons comme sujet aujourd'hui, c'est les 5 grands résultats de la foi. Donc, nous avons toujours considéré le texte de base, nous, toujours Hébreux chapitre 11. Mais cette fois-ci, nous avons fait lecture pour nous-mêmes, pour la gloire de Jésus-Christ, pour nous avoir quelques héros et quelques héroïnes de la foi. Donc, nous avons fait lecture ensemble pour nous commencer pour la gloire de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 11, nous avons à partir du verset 1 et nous avons campé jusqu'au verset 6. Et nous avons fait reste lecture à la carrière pour la gloire de Jésus-Christ, pour toute provision spirituelle, le Seigneur serait pour même en ce qui a trait à la foi. Verset a dit que, dans le verset 1, il dit: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit: Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il dit: C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il dit: C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut ceux qui s'approchent de Dieu, quoique Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères et sœurs, comme nous annonçons déjà, lorsqu'on gagne la foi, dans la série deuxième étude dont nous avons avec vous, que veut dire faire assurance, et nous avons tout les caractéristiques de la vraie foi. Et nous démontrons ensemble de caractéristiques lorsqu'on gagne la vraie foi qui manifestent en dedans, parmi lesquelles nous désirons que ou pas déserté, gagne obéissance ou capable de continuer à suivre pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mais nous voulons montrer aujourd'hui, quand on a la foi, il y a des effets, il y a des résultats, il y a des impacts positifs qui doivent être dans la vie. Et pour aujourd'hui, on a PC, 5, pour nous montrer que lorsqu'on a la foi,
donc un paquet avantage, un paquet privilège qu'on a bénéficié. Premier résultat, les résultats personnels. Personnellement, lorsque la foi gagne bien cap fait dans vous. Donc nous disons que lorsqu'on a la foi, on peut bénéficier de grandes choses, par exemple spirituel et matériel. La foi qu'a faut bénéficier des bagages spirituels dans le trône de mon Dieu et bagages pas jamais supposé gagner étant sur la terre. N'après quelques exemples, la foi personnellement au cas non famille qui misérable, au cas arrêté par exemple un côté monde pas fréquenté, au cas ton côté que la route est vraiment amère. Donc c'est l'aime dit amère dans le sens économique. Et puis par la foi, le Seigneur fait tout un héros, même bien sûr El Taléa, avec plusieurs hommes de foi. Par exemple, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4, le texte dit comme ça que l'enfilissement verset dit le juste vivra par sa foi. Donc, oui, il ne dit pas la foi, il dit par sa foi, veut dire que lorsque juste a gain la foi, la vive. Et là, elle dit vive là, ça dit gain bagaille pour le posséder, gain bagaille pour acquérir état dans ce monde. Donc, il faut qu'il ait la foi. Et si nous avons un exemple clair devant nous, il faut comprendre ça. Et pour ta mieux comprendre, il faut comprendre comment le trône de mon Dieu fonctionne. Et pour me faire comprendre ça très bien, le trône de mon Dieu, c'est comme une maquette. Lorsqu'on achète une maquette, donc on peut rentrer pour tout ce qu'on a besoin. Mais pour sortir avec son entrepreneur, il faut passer sous caisse pour payer. Amen. Donc une fois qu'on passe sous caisse pour payer, donc on peut sortir à sortir pour une maquette là. Mais en un trône de mon Dieu, c'est comme ça, lié tout. Lorsqu'on dans le trône, ou qu'a demandé sort que besoin mais pour sortir avec parce que caisse bon Dieu c'est avec faut gagner la foi. Donc la foi vient tant que ça me décarrelé yon carte de paiement. Une fois qu'on aura les 400 ou passer dans ATM caï bon Dieu, donc sort vient acheter hein, ou capable saisir pour entrer la caillou. Et ça fait une belle texte. Par exemple, lorsque nous avons une belle histoire dans 1 Chronique chapitre 4 verset 10, Bible raconte l'histoire d'un homme qui est le Jabès. Non, monsieur veut dire amertume, non, monsieur veut dire souffrance. Et la Bible nous rapporte que Jabès, il vaut moment en ville, côté que ville tellement amère, lorsque le planté, il n'a pas qu'à récolter. Jabès, ouais, que tout ça fait, lui, même fait, il a réussi, et lui-même, il n'a pas qu'à réussir. Parce que l'histoire biblique nous rapporte que monsieur, il vaut moment lorsque maman le fait, puisque maman le fait avec douleur, il est le douleur. Or, nous connaissons que dans la spiritualité, il y a des impacts dans la vie au monde. Amen. Par exemple, si vous avez ça, plus à internet, nous avons des émissions, nous avons des études nous fait sur l'impact des noms dans la vie de quelqu'un. Donc, Jabès qui veut dire souffrance, qui veut dire amertume. Donc, non, ça a apporté amertume, non, ça a apporté souffrance dans la vie, monsieur. Donc, lorsque monsieur plante le pas à récolter, il y a qui ça, monsieur fait. Là, nous lisons par exemple dans 1 Chronique 4, verset 10, mais ça verset a dit, il dit Jabès invoqua le Dieu d'Israël. Ok, le Dieu qu'on bénit, le Dieu très haut, le Dieu tout puissant. Et puis il dit comme ça que, en disant, si tu entends, si tu étends mes limites, l'immense bon Dieu étend limites moins. Pendant monsieur adresse ses prières par la foi, à l'instant même bon Dieu exauce ses prières. Ça veut dire que bénédiction Jabès est là déjà. Donc c'est Jabès qui peut monter dans le trône par la prière pour la demander bon Dieu. Amis internautes, personnellement n'a pas dit encore, ou qu'a fait nos familles qui sont misérables. Mais ça ne veut pas dire pour mourir misérable pour cela. Amen. Ou qu'a fait nos familles côté moun pas jamais rien, moun pas jamais réussi. Donc ça va veut dire attaquer chrétien pour finir comme ça. Parce que femme clair ensemble avec nous, immédiatement bon Dieu finit jouer dans nous. Parce que le premier qui est intéressé bon Dieu dans le monde, c'est dans nous d'abord. Amen. Mais immédiatement bon Dieu finit jouer dans nous, et mais quoi l'intéresse? Vie économique pour l'intéressé bon Dieu. Parce que l'on chrétien réussit sur le plan économique, sur le plan social, il fait que bon Dieu content. Amen. Et ça fait, verset a dit clairement, de la poussière il retire le pauvre. Il dit du fumier il relève les gens pour les faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Cela veut dire que le Seigneur a une capacité par la foi pour faire sans faute. Amen. C'est-à-dire que il n'est pas écrit nulle part dans les Saintes Écritures. C'est voler pour nous voler pour nous arriver, c'est faute pour nous arriver. Le Seigneur a la capacité pour le arriver convenablement bien. Nous voyons ça à travers les Saintes Écritures. Nous voyons des grands hommes tels que Daniel qui occupait gros postes dans le pays étranger. Nous voyons Esther par la foi arriver reine dans le pays étranger. Nous voyons David qui garde un mouton, je ne compte pas, d'arriver arriver roi, côté que bon Dieu lève l'antiquité. Donc nous disons personnellement, la foi, il faut arriver. Sans pas jamais penser. Et ça fait le chrétien, comme tu dis dans l'étude passée, hein? Chrétien de toujours positif. Oui. Donc, chrétien, map de ça, ami internaute, quel que soit côté où habite, ou de toujours positif. Ou qu'a fait des rigoles là, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir des rigoles là pour cela. Parce que notre Dieu, son Dieu qui prend soin de monde,
non seulement prend soin d'amour, il prend soin corps, il prend soin l'esprit. Donc la foi, il y a ce qu'on appelle des résultats personnel. Ça veut dire que par la foi, le CK a une belle machine, par la foi, le CK a fait voyager, par la foi, le CK a fait que même que dans la famille, on ne peut pas qu'on a fanté, le CK a fait un petit, par la foi, le CK a fait un compte bancaire. Et ma bzouba qui est très important, c'est ça. Nous connaissons que d'après la Bible, lorsque nous gagnons, nous glorifions bon Dieu. Parce que lorsque pas y a un gain, qu'est-ce qu'elle fait? La lamballe, la fait magie, la fait danse pour diable. Mais les chrétiens gon kay, parce qu'ils gagnent 10 chambres, ils gagnent 20 chambres, mais l'on l'autre pas gain, la ballon côté pour l'habiter. Amen. Et ça que la Bible dit comme ça que soit que nous mangeons, soit que nous vivions, il dit faire tout pour la gloire de Dieu. Donc ça que nous possédons étant sur la terre, donc il est capable de glorifier bon Dieu. Sauf à son bon Dieu avec chaque chrétien qui attend de nous, qui garde nous tout, donc il n'y a pas un mal à posséder. L'homme dit possède le bon bagage matériel, mais c'est comment on gagne. Si c'est par la foi que bon Dieu fait cadeau ou vient gagner, laisse la utile à l'autre monde qui n'a nécessité. Par exemple, là, on m'a dit qu'on n'a pas payé. Donc, au lieu comme si pour la plein, il n'y a pas rien. Par exemple, il y a des bagages qui n'ont pas dans le sens bon Dieu. Il vient côté en tant qu'homme de foi que bon Dieu béni, laisse un gars dire ma soeur, mon frère, fait cadeau ça, sans aucun intérêt, mais ce que j'aime bien dire. Donc, par la foi, mes chers frères et sœurs, nous avons comme premier résultat, il y a ce qu'on appelle résultat personnel. C'est-à-dire personnellement, lorsque vous croyez en bon Dieu, non seulement vous avez la vie éternelle en acceptant Christ comme sauveur et Seigneur, mais étant sur la terre, vous pouvez monter, vous avez besoin de fonctionner, le Seigneur a la capacité pour lever dans la dimension où vous avez pensé. Deuxième grand résultat, nous laissons résultat sur notre vie familiale. Non seulement personnellement, le Seigneur a la capacité pour croire en lui, pour lever dans la dimension où vous avez pensé, mais étant homme de foi, li pote un paquet de grandes bénédictions sur votre vie familiale. Et ça que nous disons que dans la Bible et dans toute la vie chrétienne, nous disons un chef de famille qui vit dans la foi est pour sa famille une grande source de bénédiction. Un homme de Dieu qui vit par la foi, li son source de bénédiction pour madame ni et pour petite li. Et nous avons un paquet de bonnes belles exemples à travers les saintes écritures. Par exemple, si nous avons cité Abraham. Abraham dans la Bible nous reconnaît que il est Abraham le père de la foi. Amen. La Bible dit comme ça que lorsque Abraham quitte le pays, soit par exemple dans Genèse chapitre 12, sur le verset 10, soit une famille qui est une femme pays, côté que Abraham pas gagné. Donc là Abraham quitte le pays, donc côté que papa monsieur logiquement là c'est tombé quand il était adoré les faux dieux. Donc pendant monsieur quitte le pays là, il seulement obéit à la voix de Dieu. Comme dit déjà, nous dit que la foi, il marche avec l'obéissance, il marche avec la soumission. Ça mon Dieu dit moi faire de façon à ce que me ca monter bon Dieu que me connaît tout bon vrai. La Bible dit comme ça que l'Abraham qui était pays lui, Abraham sorti avec Sarah qui m'a donné star stérile. Mais dans verset dans Hébreux chapitre 11 verset 11, il pas dit que c'est par la foi Sarah malgré son âge avancé, il croit dans promesse ça, il pas joindre ce qu'on appelle Isaac que bon Dieu promet tu vois. Donc on font calcul si Sarah parle avec un homme de foi. Donc Sarah qui était stérile t'a mourir tout stérile. Amen. Mais le fait que le mari avait un homme de foi. Donc la foi d'Abraham va traverser Sarah qui va faire que Sarah puis devant malgré qu'on avancé, il vient parce qu'elle est Isaac. Donc un chef de famille, un homme marié, lorsqu'un homme de foi, ils sont bénédiction pour madame. Ils sont bénédiction pour petit. Une femme, lorsqu'une femme de foi, ils sont bénédiction pour timoun yo parce que des grands privilèges, que des grâces vous êtes capable bénéficier de la foi maman yo, de la foi papa yo. Et nous l'autre histoire qui vraiment fascinante dans les saintes écritures. Par exemple, nous lisons par exemple le texte que nous jouons dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Dans 2 Rois 4 verset 1 à 7, c'est l'histoire d'une femme. Femme, ça arrive au moment côté que Marie était un homme de foi. Marie était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et lorsque monsieur arrive au moment, monsieur mourit, et pendant monsieur a vivre a fonctionner convenablement, madame monsieur qui vient en veuve, monsieur mourit, mais elle pas tellement qui était bien pour ti moun yo. L'arrivée que côté que monsieur gain dette et dans dette monsieur yo yo vinn pran ti moun yo pour mettre pour réduire l'esclavage. Et lorsque yo vinn réduire dans l'esclavage, maman ti moun yo même qui c'est madame homme de foi qui vinn mourir, là côté Élisée, il dit Élisée comme ça que Marie m'té on n'est que la crainte de Dieu. Marie m'té un homme de foi. Mais elle mourir qui était de ti moun et mes créanciers yo moun ni doit yo vinn pran ti moun pour réduire l'esclavage. Et puis lorsque il finit par la Élisée, Élisée en tant que homme de Dieu, il pas contester sa dame dans dire. Adi le reconnaître Marie dame était un homme de Dieu, il était gain la foi, il était gain la crainte de Dieu. Et puis Élisée pas dit quoi que qui soit gain la caille. Nous connaissons l'histoire jusqu'à ce que dame rassemble toute ustensile que gain et puis il vient joindre l'huile
au point pour le vendre pour l'occuper de ses mounions et puis payer d'être qu'elle te gagne. Donc remarquez la foi de Marissa, il parle d'un bénéfice pour madame nan, ainsi que pour ses mounions. Donc la foi son héritage lié. L'on est ou son chef de femme ou gen la foi, li son bek son pour ti moun yo. Gede maladi te pal fè madame de pas son paquet kob l'hôpital. Donc par la foi m'ka impose les li guéri. Amen. Gen de bagay ta fè ti moun nan. Amen. De pas pile l'argent. Par la foi m'ka fè mon saint prière et puis ti moun nan jwenn grâce spéciale. Nous jwenn histoire kon dans les saintes écritures. Par exemple nan acte chapitre 16 le verset 31. La Bible dit quoi que c'est l'histoire côté que Paul té nan prison. Et puis même côté dans la prière, nous connaissons très bien. Et puis bon Dieu lui-même est venu, il libérer Paul avec tout compagnon qui était en prison. Pendant que la prison pété, et puis monsieur même il parlé. Pendant que il parlé, la Bible dit quoi que nèg qui t'a veillé prison, le geôlier, monsieur venu pour la touiller tête lui. Pendant qu'il va tenir Paul dit monsieur comme ça que ou pas besoin touiller tête parce que nous là, nous pas font pas. Et puis les monsieur étonné des miracles qui fait là, des événements qui fait là, de ça qui passé là, et puis au moment de Paul, qui ça pour nous faire? Paul pas dire que quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Puisque le salut n'est pas héréditaire, il veut dire que non seulement on a sauvé comme monsieur tant que chef de foyer, petite li madame n'a bénéficié de salut ça joindre là. Ça dit que la foi pas seulement était dans cadre personnel, mais la foi l'aime son homme de foi, ils sont bénédiction pour madame moi, ils sont bénédiction pour petite moi, ils sont bénédiction pour tout le monde qui est en dedans car là. Donc nous dit quoi que li clair, lorsqu'on gagne la foi, premièrement, li gagne des résultats personnels, deuxièmement, li gagne des résultats familiaux. Et pour nous faut comprendre ça, même faut comprendre non illustration. Parce que lorsqu'on gagne la foi, nous dit la foi pas être seulement sur nous-mêmes, la foi fait petit tout arriver des grands hommes étant dans ce monde, des grandes femmes étant dans ce monde. Parce que la foi lui-même n'est pas un rival, n'est pas une bonne, n'est pas une limite. Donc, depuis seulement on croit, c'est possible. Jésus qui peut dire que tout est possible à celui qui croit. Donc, il raconte une histoire pour comprendre, pour qu'il faut comprendre foi ça dans la dimension. On raconte l'histoire côté que. Yon élément qui sont hommes de foi, son famille monoparentale. Donc nous disons dans l'émission, yon famille monoparentale, son famille qui seul parent. Les cas c'est maman, son qui petit moun nan, les cas c'est papa seulement. Dans la famille ça, c'est côté que, pendant que monsieur lui-même li sorti, mais le petit garçon qui a gagné aux environs 7-8 ans. Pendant monsieur lui-même li sorti, puis il quitte petit moun nan kala, mais kala son kage plusieurs étages, petit moun nan habite à monsieur dans le dernier étage là. Lorsque monsieur sorti, là je tombe à petit pour petit li, mais quitte petit moun nan a bon 15-20 pour retourner. Mais malheureusement, il y a un difficile qui pendant le dernier étage là, qui commence à consommer, à monter, à bouler tout l'étage. Et puis il courait les pompiers, lorsque il courait venir, et puis il mette moun dehors. Mais petit petit même qui ont 7-8 ans comme ça, et puis il pas qu'à en sorti. Lorsque tout le monde mettait tout le monde dehors, puis il fait voler tout l'étage, il parle pour le dernier étage côté de pour qu'il n'en là, parce que par la chose là, c'est un bagage pour lui. L'histoire nous rapporte que, pendant que du fait a monté, le pompier vient mettre tout le monde dehors. Et puis le dernier étage, il parle prendre du feu pour tout le monde parce que le pompier n'est pas rentré, et seulement tout le monde n'a pas sorti de l'école dans la pour qu'il. Et puis les pompiers sont venus, et puis tout le monde n'a pas dans la fenêtre là, il y a un petit quoi que les garçons là qui combat n'a pas. Pompier a venu, il dit ça. Chef pompier a venu, il dit ça. Si on regarde en bas, il y a un pompier qui a parlé, il pas descendre. Chef police a venu, il dit, tigas sont là, qui combat, n'a pas. Et puis, n'a parlé, parlé, parlé. Tigas sont là, fait le campé. Mais chaque les mounions a parlé, la tante de voix, mounions a parlé, tigas sont là, combat, n'a pas. Il pas jambes de la école. L'y fait côté que, mère qui est dans la ville, n'apparaît. Et puis, il dit, tigas sont, ou mettre la combat, n'a pas. Tigas sont tant de voix. Et puis, elle finit de voir, il dit, papa, il combat. Monsieur Kapé là. Mais si monsieur fait seulement 3 minutes encore, côté l'hier, du feu a éclaté ton bonbon gaz quand dans car là, monsieur a mouru parce que pas gain moyen pour venir pour monsieur. Seulement gain c'est râler bagaille pour éteindre du feu pour éteindre et si éteindre ça monsieur a tout mouru. Et puis la fumée vient tellement grand côté que tigas pas garder en bas encore. Et puis a dit monsieur là gain combat. Il rejette toute bagaille pour monsieur comme si pas pas jambe la école. Et puis après 1 minute papa vient paraître. Lorsque papa apparaît, papa dit comme ça que mon garçon, monsieur René Jacques, il dit Jacques, mon garçon, mon fils, mais papa, la guerre combat, papa a kembe ou papa a prend. Même côté, journaliste qui était là, monsieur fait mes yeux, monsieur croisé Bouali, et puis monsieur la école sous le dos. Même quand monsieur la école, papa mettait deux pieds la terre, papa prend monsieur deux pieds en l'air, puis il dessnap monsieur, de façon à ce que monsieur passe tomber. Il a amorcé, monsieur, exactement. Et puis là que monsieur fait ça, malgré tout le temps passé près de 15 minutes, il a dit monsieur à l'école, il n'est pas jamais à l'école, papa son, il n'est pas nommé nul.
Et puis il dit, mon garçon, par rapport à pour mettre par les combats. Et puis, je reste dans la curiosité, je viens de poser la question. Je dis, mais pour qui ça? Ça fait presque 15 minutes à poser que nous avons combat. Et les pompiers viennent, la police viennent, la maire viennent, tous les voisins viennent, ils disent, je veux la récompense. Pourquoi pas venir citer non là? Et pour courir la combat, je vais fermer. Si les garçons, ils disent, quoi que? Premièrement, moi, je connais papa, je connais nom. Amen. Il dit, m'assurer que je tendais ces voix papa avant de la récompense. Et ça que la Bible dit que la foi vient de ceux qu'on entend. Foi à ceux qui voient qu'on entendait. Gen moun, et puis les petits garçons finissent la guerre en bas. Et puis ils disent, mais pour qui ça vous la guerre en bas, quoi, papa là? Ils disent, moi, sûr et certain, papa ne pas quitter me tomber. Amen. Ils ont confiance, ils ont certitude. Ils disent, mère qui a quitté me tomber, ma petite li. Ils disent, voisin qui a quitté me tomber. Ils disent, quoi, que pompier qui a quitté me tomber. Ils disent, moi, j'ai certitude, papa m'a fait tout ça qui dépend de moi, li pap quitté me tomber. Donc ça ne veut dire pas là, amis internautes. Nous voulons dire comme ça que le Seigneur, votre Père, li pap quitté tomber. Tout le monde qui est tombé, le président qui a parlé qui est tombé, le sénateur qui est tombé, le ministre qui est tombé, un bon ami qui est tombé. Mais le Seigneur fait confiance, il n'est pas qui est tombé. Le moment arrive même Jacques Tibetit là pour nous fermer les yeux, nous, pour nous laguer quand nous avons le Seigneur. Et ça fait l'important avant la pour qui voit qu'il parle. Remarquez, papa identifie le panneau. Ça veut dire pas la bon Dieu qu'on n'a pas non. C'est-à-dire qu'on est non, non écrit dans la mail. C'est-à-dire que ou pas un hasard, ou pas un accident, ou pas une coïncidence, mais on son planification. Amen. Cela veut dire que, c'est ça, j'aime t'a dit l'air, c'est que nous disons premièrement, la foi a un résultat sur vie personnelle, moi. Deuxièmement, la foi a un résultat sur petit, moi, sur madame, moi, etc. Vous remarquez, si garçon fait papa confiance, parce qu'il connaît papa, pas qu'il est tombé. Amis internautes, nous voulons montrer que premièrement, la foi a un bénéfice personnel. Deuxièmement, ils sont bénédictions pour famille pendant qu'on doit venir, etc. Donc nous devons comprendre que même Jean Timothée dit, l'important pour commencer, dit comme ça que le Seigneur, le Dieu qui relève, le Dieu qui l'aime dans le monde, quel que soit Jean Modelan, quel que soit pandémie qui a frappé Modelan, le Seigneur li pap ki te m tombe. Dieu béni ou pasteur et me senti nan mwen tap béni. Ou même parents k'ap suiv nou nan moment ça, ou besoin augmenter et activer la foi pour capable jwenn des résultats. N'ap pran un coup de pause, n'ap retourné. Retournez amis internautes radio télé réveil, pas oublier ou capable partager et commenter. Et si vous avez posé des questions, vous pouvez faire sur la chaîne YouTube nous et Facebook nous. Nous allons continuer avec trois grands points nous, avec intervenants nous. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je vous ai dit à l'heure, c'est que la foi elle gagne des résultats, non seulement sur votre vie personnelle, elle gagne des résultats sur votre vie familiale, mais troisièmement, elle gagne des résultats sur votre vie ministérielle ou ecclésiastique. C'est-à-dire, nous le disons que tout homme de foi, ils sont source de grandes bénédictions pour la congrégation locale, la desservie. Et mesdames, tout pasteur, tout évêque, tout apôtre, ça m'a dit très très important parce que votre vie, ils sont source de bénédictions pour l'assemblée que vous en tête que le Seigneur a placé là. Donc nous disons ça que, il est très important pour nous connaître que quand vous êtes leader, par exemple, ou son apôtre, ou son pasteur, ou son prophète, ou son diacre, donc pas moins ou même assemblée quoi de servir qu'à jouir des grandes et des grandes bénédictions. N'importe quel exemple biblique en ce qui a trait à la foi. Donc nous dit que comme étant troisième résultat, et ça me relève résultat sur votre vie ministérielle ou votre vie ecclésiastique, à savoir sur l'église que ou même ou de servir en tant que leader, et j'en passe. On prend quelques exemples bibliques. Par exemple, lorsque nous lisons dans Actes chapitre 20, le verset 7 à continuer, nous venons côté que apôtre Paul arrive au moment qu'il a fait enseignement pour un pile temps. Et puis, un enseignement au moment de Sainte-Seine. La Bible dit que pendant que l'enseignement a fait, et puis, Gontinom qui est Éticus, qui était son fenêtre, et puis, dormi prend monsieur, monsieur s'est tombé. Et puis, lorsque monsieur s'est tombé, la Bible dit comme ça que, même moment, monsieur mourit. Et le peuple qui vient dans l'inquiétude, côté que ouais, si mon homme mourit, mon commence à vouloir crier, mon commence à vouloir alarmer. Donc Paul lui-même qui sont hommes de foi, qui sont apôtres, qui étaient dans le lieu, et bien même moment il dit pas inquiéter nous si mon n'allait pas mourir. La Bible dit que monsieur tellement fait bon Dieu confiance, monsieur continue à faire enseignement. Dans Actes chapitre 20, bon l'verset ça pour nous amis internautes. Dans Actes chapitre 20, par exemple, lorsque nous l'arrivons dans verset 9 là, il dit, or un jeune homme nommé Éticus,
qui était assise sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Il dit, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas, et quand on voulut le lever, il était mort. Donc l'enfant était mort. Tandis que Paul dit en tant qu'homme de foi. Il dit, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, mais langage homme de foi. Entendez-vous? Apôtre Paul dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Oui? Paul dit, pas troublé parce que l'âme n'est là. Tout le monde est mon âme et mourit littéralement. Mais par la foi, apôtre Paul est en bas salon, déclaration de foi. Parce que je me disais dans la première étude, lorsqu'on est dans la foi, on est toujours positif. Donc, je me que la foi toujours dit comme ça que avec Jésus, tout est possible. Et lorsque Paul finit soir, la Bible dit quoi, clairement, Paul parle au moment là, il continue enseignement là, dans le verset 11, et puis il retourne, il impose ses mains dans les mains, et puis il retourne à la vie. Cela veut dire que lorsqu'on a la foi, il y a des résultats sur votre vie ministérielle. Il y a des résultats sur l'église, sur le groupe d'âmes, sur l'homme, sur le timon, sur la jeunesse. Il y a un pasteur qui a la foi, il n'y a pas de fidèle. Il y a un pasteur qui a la foi, il n'y a pas de fidèle à le coucher, à le faire ça, débauche, à le faire impudicité pour porter cop venir. Parce qu'il connaît que le Seigneur prend soin de l'église, dans, la prend soin de l'assemblée. Il n'y a pas de fidèle à la foi, il n'y a pas de raquette. Yon pas se gen la foi, li pap jam tombe dans sal pas de tomber parce que le connaît que le se a pouvoir toujours à son a besoin peuple etc. Donc nous dit comme ça que troisième résultat ça me décale résultat sur votre vie ministérielle, sur votre vie ecclésiastique. Homme de Dieu, pasteur, leader, diacre, quel que soit mon nouyé li très simple pour connaît que dernier temps mandé pour faire bon Dieu confiance pour le Seigneur lui-même qui a fait provision pour assembler quoi diriger pour pas tomber dans écuménique. Pour pas tomber dans fraude, pour pas tomber dans reste bave, mon Seigneur, reste bave pas parce que nous j'en pile nek kounya tomber dans compromis qui sont manque de foi. Gen qui même vente fidèle. Gen même qui entouyer moun pour l'enterrer en bas l'église en façon les capable grandir. Et ça fait nous dit les clair donc lorsqu'on a la foi comme troisième résultat, li gen une bénédiction qui dépend qui tombe sous l'église et qui tombe sous entité en assemblée. Et nous j'en troisième exemple dans la Bible, dans Acte chapitre 3 le verset 6. Bible a dit comme ça que lorsque Pierre et Jean parlent dans le temple, gonne qui paralysé qui malade. Mais puisque Pierre avec Jean c'était des hommes de foi, des apôtres de foi, et puis le pas de voleurs, nous n'avons pas que nous pas gagné l'argent ni hop ou baou, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc nous dit que yon homme de foi, li son grande bénédiction pour assembler qu'il a dirigé. Par exemple, pour comprendre ça, nous je me parle avec yon élément qui persévère nous assembler. Un jeune garçon bourré de talent, monsieur est venu en ville, il dit comme ça que même on t'a prié ensemble avec lui, il dit assemblé persévérant parce que tout a dit lui même folle riche, lui même folle gain cobb, il n'a pas prononcé folle riche folle gain cobb, il pas bail condition pour jeune cobb là, monsieur dit que pasteur a metté près de 19 monde sous liste pour le bail parce que nous connaissons nos temps qui piégé, il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des vrais apôtres, il y a des faux apôtres. Donc monsieur metté monde dans liste pour le bail parmi monde qui était dans liste ça, monsieur là dans tout. Donc, M. dit nous ça clairement, il y a un qui était étonné. Chaque pasteur qui est avec la Kali, il y a une graine qui est passée sur le fond et il y a un prière dans la langue qui ne pas comprendre. Chaque temps, c'est comme ça. M. dit qu'il y a un bon lèvre, M. dit qu'il y a quelqu'un qui fait prière, il dit ouais ou même, je vais avoir quand même. Mais il ne pas comprendre le langage là. Il arrive à que, M. dit qu'il y a un bon nombre de temps, 3 mois comme ça, il dort, il y a ce grand cimetière de Port-au-Prince, pasteur Menel. Pendant le domaine, il y a un élève de Martel pas bien. Il sentit l'âme ni pas sous lui. Il sentit l'esprit pas sous lui. Heureuse pas pour monsieur. Monsieur intelligent. Il vient de côté pour nous prier ensemble avec lui. Il a expliqué le phénomène qu'on passe, etc. Nous, j'ai fait qu'il était assemblé. Parce que lui, dormi le pasteur qui a mené un grand signe de Port-au-Prince. Là, lui, il veut devant mon esprit. Il dit, mais monsieur, m'bote venu. Quand il a expliqué, mais ça compte, mais ça compte fait. Donc, en un mot, d'après témoin de monsieur, pasteur a le vol, monsieur, pour le cagé-cob. Parce qu'il n'est pas un homme de foi. C'est ça, l'on charlatan, on raquette. Il y a un cap 20 noms. Bah Satan, il y a plus beaucoup de cob. Donc, les monsieur vient côté nous, j'ai prié à monsieur à faire des requêtes spéciales de libération, etc. Car il est écrit verset dit comme ça que l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, faire dire pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Qu'on y a par la foi, par la grâce, où j'allais aller monsieur côté lié, qu'on y a même monsieur marié, monsieur avec convenablement. Donc, y a un pasteur, y a un homme de foi, il n'est pas bon fidèle. Un homme des fois il pas exécuté là pour dire que porter l'argent venir dans n'importe condition.
li pa difile la konsa ke et sou pa ka bay kòb bon mon grain bouton bon mon grain soulier bon 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 sou vêtement ma vanni ase langage rakete pendant la foi Dieu ça pendant la foi parce que la foi pas dans fraude. Donc nous dit que yon pasteur de foi yon apôtre qui a la foi li son grande bénédiction pour la vie l'église. Amen. Et ça qui fait entre temps n'a tout dit que lorsqu'on persévère nous assemblés ou est pasteur associé pour nan mou d'abord ou est son homme de vision ou est son homme de foi ou supposé collaborer marche ensemble avec lui. Amen. Parce que il a dit obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. Donc nous dit l'éclair, donc son grande bénédiction ou même qui sont leaders pour faire bon Dieu confiance parce que la béni ou même et la béni congrégation quoi mener. Donc si nous tapons l'autre texte encore par exemple, si nous dans le texte que nous jeune dans 2 Timothée 4 le verset 7 côté apôtre Paul en tant que homme de foi. Apôtre Paul, quand il fait une déclaration, il dit dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Donc, apôtre Paul, son homme de foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Donc, homme de foi, dans tant d'apostasie, il dit, qu'est-ce que bon Dieu pire. Donc, et ça fait un conseil à chaque leader, chaque homme de Dieu, garder la foi. Donc action de le papa Paris soit appelé nouvel ordre mondial 14 mai cap vinn na gè des grands côté pa le fait côté que yo pa le pour faire salon unification totale yo pa le ba nèg l'argent pa le ba nèg cob pour que soit tout dans système écuménique que n'a pour enseigner sur les très bientôt. Donc nous dit que homme des fois il garde la foi même que zam nan té bo tête li li dit avec Jésus m'a avancé. Donc nous Paul dit que j'ai achevé la course et puis dit j'ai gardé la foi. Donc quand on a la foi comme dit tout à l'heure ils sont bénédiction pour congrégation locale qui va diriger. N'a pour l'exemple qui clair. Nous sommes dans vie ministérielle nous et côté que nous gagnons une jeune dame dans l'assemblée nous et côté que li gagnons on perd 200 qui prend 2 mois 3 mois sous lui. Et puis lorsque li vinn côté dit pasteur mais comment moi là le docteur bal comprimé, il bal médicament rien pas jamais passé. Et puis me dit pas un problème vinn côté parce que lorsque docteur n'est pas capable, la foi capable. Yes. Donc, lorsque docteur a dit tout est fini, point final, le Seigneur dit point aller à la ligne. Donc, nous dit vin côté parce que nous gè salé alliance avec le Seigneur. Amen. Et n'a dit à tout homme de Dieu, les bon Dieu place sous tête au ministère, bon Dieu communique grâce pour bénir peuple là. Et puis lorsque il dit moi que sans faire toi pas ca venir camper sous l'île là docteur et pas ca fait, nous dit vin côté, j'étais avec madame moi en tant que femme de foi et puis l'aime fin parler avec servante là moi toute bagaille OK et puis l'aime fin parler convenablement et puis seulement ça ne fait nous imposer les mains sur la base de Marc 16 verset 16. Mm-hmm. Marc 16 verset 16 dit quoi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Il dit ils chassent des démons, il dit ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et puis nous appliquer texte là, nous imposer, nous dit au nom de Jésus-Christ, sans nous commander au camping. Nous prions, il était aux environs de 2 heures. Soit il arrivait là, car il a dormi sans couper même côté, mais des matins il était bien propre. Donc, lorsqu'on homme de foi, ils sont bénédiction pour assembler, quoi, diriger. Il y a des gens qui ne peuvent jamais marier par rapport à diable qui te fait alliance avec lui. Donc, en tant qu'homme de foi, capable de bénir. Pour nous faire des déclarations sur la vie pour le marié. Gen moun ki pa jamais enfanté ou ka prononcer sous lui et puis moun sa enfanté. Gen moun par exemple nan vie parle pa jamais gen kòb nan men parce que nan femme sa gon diab zaka ki éclamel, gon diab avad ka famille an. Mais en tant que homme de foi, ou ka déclarer des paroles de grâce, des paroles d'onction pour moun sa li même li réussir nan vie. Et cela à quel que soit niveau, à quel niveau conjugal, quel niveau économique, quel niveau ministériel et j'en passe. Amen. Donc nous dit que troisième résultat, nous dit que la foi lie des résultats sur votre vie ministérielle. Amen. Et n'a fini pour ça pour dire tout homme de Dieu qui n'ont difficulté, qui n'ont amertume côté que yo pa gen moun ka penser pour yo ou besoin connait que bon Dieu capable. Ou pas besoin d'entrer dans compromis, ou pas besoin de faire son pas de faire, ou pas besoin de vendre fidèle, seulement faire bon Dieu confiance, retenir appel ou retenir la prière, ou à merveille bon Dieu a fait en dans ministère. Et quatrième résultat nous jeune encore, nous capable dire encore qui gagne dans la foi et ça me relève la foi il gagne des résultats sur communauté qu'on a de servir. Non seulement il gagne des résultats positifs sur ministère, sur l'église, mais sur communauté là. Moun ki habite nan entourage l'église, moun ki habite beaucoup l'église situé là, li son bénédiction pour moun ki habite nan zone nan. Même je gon sain qui dit comme ça que yon l'église ki nan zone tan kon commissariat, yon l'église ki nan zone tan kon l'hôpital,
Ça veut dire que gon ensemble des démons t'a pas frapper mon dans zone là pendant qu'on gagne la foi, donc il est possible pour stopper des démons ça. M'a pas quelque exemple biblique. Donc nous dit non seulement il gagne résultat sur l'église mais il gagne résultat sur communauté. On pour exemple dans la Bible. Lorsque nous lit par exemple dans acte 8 verset 8. Nous j'ai l'histoire de Simon. Simon en tant que magicien et moi jeune fille lorsque Philippe paraît seul pas prendre l'argent, Philippe a libéré monde par la grâce de Dieu. Philippe il va moment côté que Philippe a prêché l'évangile, monde a libéré, monde a sauvé. Et lorsque Philippe paraît, la Bible dit qu'on s'est en pile monde converti, en pile monde libéré, communauté a délivré, mon démon chassé, etc. Et lorsque nous lisons verset 8 dans acte verset 8, verset dit il eut une grande joie dans la ville. Dans la communauté ça, homme de Dieu a descendu, vient une joie dans la communauté. C'est-à-dire que l'on l'église dans zone, ils sont bénédiction pour nous, pour monde qui dans zone, ni monde qui converti, ni monde qui pas converti. Parce que me songe par exemple dans carrière ministérielle nous gagnons ensemble de bacon passé dans zone nous qu'on dit au nom de Jésus ça ne pas d'accord au nom de ça ne pas veut et puis bon Dieu tant des prières nous et puis délivrer ni monde qui dans zone converti ni monde qui pas converti bah ma bon exemple qui clair nous songe comme c'est dans parcours nous gagnons côté habité puis puisque la foi li gen ça les résultats sur la sur communauté côté constitué sur zone côtoyer. Donc gon demoiselle me songe ka gen aux environs de 9 ans et puis kon ramadan moi service et puis dans zone là rive au moment pour malfaiteur côté que monsieur lui même c'est ça fait manger ti moun devier ti moun etc. En tant que homme de foi ti la kon ramadan moi service et puis on bon leur n'apprendre que ti la gon fièvre et puis fièvre pas jamais ka passer 3 jours fait pas me ka passer il arrive à que lorsque vinn dim ça. Et puis madame dit pasteur ou connaît que pas connait mon service mais le gon la fait pas jamais ka passer. Et puis maman vient dire madame moi comme ça que et pas seulement petit a gagne l'autre compte comme ça toujours. Donc c'est malfaiteur qui a manger ti moun nan parce que des petits moun commencer ou intelligent dans zone nan faut le vieux. Okay. Leur dit ça puis moi relé fiette là par la foi à midi aux environs ta font prière mais poser les mains. Me dit que ou pas besoin dans ministère pour marcher mais poser nous prier ensemble avec lui. Me dit que au nom de Jésus-Christ c'est pas qu'à manger. Amen. Et puis les mamans ouais ça maman content, il dit dans la soirée aux environs de 6h du soir, fève la tomber. Malfaiteur lui même qui ouais ça, monsieur vient demander une bataille physiquement. Donc nous dit que lorsque la foi pas seulement gagne résultat sur l'église mais sous communauté, zone contre habitation, protection pour zone là. Puisque dans zone là, nous dit que si moun pas gagne doit mourir. Les monsieur demander une bataille, monsieur me font seule déclaration. Monsieur vient devant pas on a dit bêtise, me font seule déclaration, me dit Seigneur puisque me pas quitter zone là, avant me quitter zone là, faut me se bailler zone là avant. Amen. Parce que homme de Dieu a homme de foi dans zone, ils sont protecteurs pour zone là parce qu'ils portent bon Dieu en dedans. Et nous ça tout à travers les saintes écritures. Et puis nous fin faire déclaration, hein? Déclaration arrivée dans le trône bon Dieu c'est déclaration, hein? Et puis bon Dieu est saint pour l'exécuter. Et puis on bon l'heure puisque monsieur son va comme ça l'habitude faire, dévier ti moun. Monsieur m'a yon fillette mal d'après ça n'a pas monsieur fait 4 déjà sous ti moun nan et puis les fillette a porté plainte côté pour arriver et puis la police débarque vient arrêter monsieur leur vient arrêter monsieur qu'a comprendre ça m'a dit en ce qui a trait à la foi dans communauté leur son homme de foi leur vient arrêter monsieur son nèg qui était sauvé dans prison yo était derrière déjà monsieur pas qui est pour l'attaquer il vient attaquer yon fillette et puis l'aime fin prier à fête elle vient attaquer physiquement. Et puis seulement levé même par la foi, me dit c'est fait monsieur ba zone, c'est pas quitter zone là. Amen. Et puis chose des choses la police débarqué, yo pas monsieur débarder, monsieur fait maintenant prison. Donc la foi comme résultat non seulement li béni ensemble quoi mener mais communauté qu'on doit évoluer en zone là, li sont bénédiction pour lui-même. Parce que des zones qui m'a ça clairement, gien des zones qui possèdent pas des grands principautés. Il y a des zones où on vit où misérable, pas gagne l'école. Et d'accord, même mon l'église qui nous zone, où on gagne l'école, qu'on gagne centre de santé, qu'on gagne salaire centre professionnel, parce que l'église pas seulement pour les bagages spirituels, mais les valeurs morales. Nous prenons le tout. Donc nous dit que par la foi l'immunité comme résultat, l'immunité comme bénéfice sous communauté que va évoluer. Donc nous dit qu'on tout, nous sommes sous communauté comme étant cinquième résultat. Nous disons ça que la foi il gagne résultat sur nation côté quoi appartenir non seulement commune dans zone là mais sur toute nation net un homme de foi tout dépend de niveau bon Dieu monte avec gagne pour le cas déclarer sous pays ou parce que Bible dit quoi que si mon peuple
sur qui est évoqué mon nom. Il dit, simili, prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face. Il dit, je l'invoquerai des cieux, je guérirai son pays. C'est-à-dire que, yo homme de foi, ils sont bénédiction pour pays. Donc, la foi pas seulement guérison sur vie personnelle, mais le résultat sur pays côté pas évolué. Donc, il y a un pas qui me camper devant tout le monde, Dieu, je dis, c'est ça, pas d'accord. Nous avons dit, Seigneur, puisque le pays a un aspect sanitaire très faible, mm-hmm. mais protéger la nation de la pandémie mondiale. Ça. Amen. Parce que Haïti est un pays grand, plus le monde a la prière. Donc jusqu'à présent, le Seigneur a fait grâce. Ouais, c'est vrai comme si il a commencé à bagarre, mais quand même, le Seigneur a toujours fait grâce. Donc nous disons ça que la foi a des résultats sur la nation, côté quoi évoluer, côté quoi appartenir. Parce que le Seigneur est intéressé avec les nations de la terre. Donc on voit quelques références bibliques. On voit des hommes de foi. On voit par exemple Moïse. Nous, je n'ai Exode 14, côté que la parole nous dit comme ça que lorsque bon Dieu délivre besoin de délivrer le peuple, il y a les Moïse. Et il dit Moïse, al délivre peuple, al délivre nation pour moi. Et lorsque nation est devant la mer rouge, nous connaissons très bien. Donc, bon Dieu dit, mais ça vous fait par la foi. Moïse longe le bâton, hein? Oui. Et puis la mer en fond, en deux, peuple a passé à pied sec. Yes. Donc, Moïse vient en libérateur pour le peuple. Donc, yon, Moïse est un homme de foi. Donc, par la foi, on peut sauver une nation. Amen. Oui. Donc, la foi pas limitée dans rien. La foi là est au-delà. Et nous avons fait quelques exemples des hommes de foi dans l'histoire. Donc, Moïse passe avec le peuple après ça. Il était besoin de leader. Donc, il y a un homme de foi, ils sont bénédiction pour mon nation. Parce qu'ils ont une vision élargie, ils ont une vision générale. Donc, on prend un exemple encore dans la Bible. Nous, je ne parle pas dans 2 Rois chapitre 6, mm-hmm. l'histoire d'Élisée. La Bible dit clairement, lorsque Élisée lui-même est dans la ville là, chaque roi font complot pour attaquer le peuple. La Bible a dit clairement, côté que Élisée dormit, bon Dieu révélé, mais ça ennemi a fait pour attaquer le peuple. Et puis Élisée a raconté, mais côté ennemi. Mm-hmm. Et puis, wa, tel va comprendre ça. Wa a dit, mais comment ça se fait-il que, alors, histoire ça dans 2 Rois 6, comment ça se fait-il chaque ça nous planifie que les gens ennemis dans mitan nous? Et puis, il y a qui dit, quoi, non, c'est pas un ennemi, mais de son homme de foi, son homme de Dieu, qui est Élisée. Ou mettre tes pensées dans la chambre, madame, Élisée qui est à connaître. Donc, l'idée de dire, la foi a de grandes visions spirituelles. La foi ouvre dans le trône, mon Dieu. Donc, Élisée, là, qu'elle a dormi par la foi, chaque bagage ennemi planifié, Élisée, well, et puis elle a dit, wa ça, et puis elle dévie plein ennemi. Donc, Élisée vient protecteur pour la nation. Nous, j'ai une histoire encore dans 2 Rois chapitre 7. Le verset 1 a continué. Ça, c'est une histoire qui vraiment, une histoire qui vraiment fascinante, que nous avons encouragé à mes internautes pour l'histoire ça. Donc, nous, j'ai Élisée encore, côté que gon famine à Samarie. Et puis, pendant que la famine, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à sortir. Et puis, côté que gagnons une nation qui occupe la ville, moun pas qu'à sortir, et puis gagnons dans le pays. La Bible a dit comme ça que Élisée, il y a un moment, côté que Élisée, quand il fait une déclaration, il dit demain, il est comme ça. A bien manger pour tout le monde. Côté que la pluie va tomber, pas bien manger, et puis demain dans l'heure ça, a bien manger pour tout le monde. Et puis, il y a un officier, côté que vous avez appuyé là, à sa garde du corps, de capable comme ça, monsieur dit que même que bon Dieu t'a ouvert fenêtre ciel là, on va comme ça, pas qu'à faire. Et puis, Élisée dit, monsieur, que vous pouvez sortir, vous pouvez manger, mais vous ne pas porter dans la bouche. Et ça, homme de foi, déclarer des paroles de foi, monsieur oppose à la parole de foi ça, il dit, vous pouvez manger, mais vous pas porter dans la bouche. Et la Bible nous dit que, pendant qu'il fait les déclarations, rete dans le trône de mon Dieu. Amen. Et nous te voyons hier, la foi c'est monter dans le trône de mon Dieu, elle prend ça, qui est invisible, il fait le manifester sur la terre. Yes. Donc cela dit, déclaration et effet, même que pas de manger pour tout le monde, mon Dieu, oublie de manger. Parce que son homme de foi déclaré par là. Homme de foi, amis, il est important de arriver pour déclarer des paroles positives. Ou qu'à dire que au nom de Jésus-Christ, dans la ville, c'est maladie, pas entrer. Fon pas ébranler, quitter mon abbaï, mon qui pas gagne la foi, pas oublier, gagne un langage médical. Gen langage politique, gen langage spirituel. Amen. Donc, homme de foi, il parle spirituellement parlant. Donc, nous disons ça que, pour finir l'histoire, la Bible a dit clairement, pendant que Élisée finit faire déclaration, il y a quelqu'un qui est pour t'aider en ville. Et pendant que l'époque est en ville, l'époque dit si nous sommes en ville, nous sommes en gango. Si nous sommes en signe, nous sommes en tout. Mais l'époque dit mais ça, le fait. Il dit nous sommes en signe, si nous sommes en tout, nous sommes en manger pour manger. Et la Bible a dit clairement, lorsque l'histoire, pendant que l'époque avance, et puis bon Dieu fait que si vous attendez des chats qui avancent sur vous, et puis vous avez couru, vous avez mangé, vous avez bien à l'aller. Les lépreux sont venus, vous avez mangé, vous avez bien. Vous dites, est-ce que nous avons mangé, nous avons serré bien, sans ne pas dire dans le pays par nous?
Et puis, l'air dit ça, l'air voit inspecter, ouais, manger tout le bagage. Et puis, peuple a sorti à prendre nourriture. Et puis, ça, Élisée dit, il fait exactement, genre que homme de foi des insonations. L'Élisée fin prend, l'air fin prend manger. Et puis, Élisée dit, nous, mon gars, qui te dira que ça va faire, même que bon Dieu ouvert fenêtre celle-là. Pendant que M. Kabina pas pour le vilain, pour la diminuer pour le carré, et puis, peuple a passé sur fiel, monsieur, monsieur mourir. A dit, homme de foi dit, ouais, manger, mais le papa t'es dans la bouche. Cela veut dire que la foi, c'est déclarer ça qui est bon. Déclarer ça qui est possible, déclarer ça qui est positif, sorry, pas ça, déclarer ça qui est positif. C'est-à-dire, pas peur déclarer, pas ébranler pour déclarer des paroles de foi, des paroles de grâce. Par exemple, le temps actuel, on a besoin des hommes de foi. Parce que nous arrivons à une situation, nous avons tout homme qui attend. Nous arrivons à une situation, c'est que nous arrivons au moment, bien aimé, côté que, à cause de la pandémie mondiale, ça, président pas qu'à faire, sénateur pas qu'à faire. On a besoin des hommes de foi. Parce que de tous les temps, toujours il y a des hommes de foi pour les moments de crise. On a bon quelques exemples bien rapides. On peut par exemple, n'entend pas Pharaon, Tégon Joseph comme homme de foi pour t'expliquer te songe là pour te sauver le peuple, tu n'as pas le déçu par famine. N'entend pas Élisée lorsque sa mari se voit à l'air, lorsque sa mari n'a pas le mourir par famine, Tégon Élisée pour te camper. N'entend pas Élie encore lorsque Akab n'a pas gagné la pluie pour te tomber. Et il était là pour te annoncer, pour gagner la pluie, pour tomber, pour te sauver, peuple. De tous les temps, toujours il y a des hommes de foi pour camper, pour sauver la nation. N'entends pas, lorsque Pharaon, bon Dieu, besoin de délivrer le peuple, bon Dieu, j'ai Moïse qui pour délivrer le peuple, pour le retirer en esclavage. Donc, le moment est venu, côté Jean Payan et la Monde, et là, nous avons besoin des hommes de foi, des hommes qui connectent avec le trône de Dieu, qui fait bon Dieu confiance, qui connaît que Jésus capable. Qui a prononcé des paroles de foi, des paroles de grâce. Et pour nous conclure, il faut nous citer pour quelques hommes dans l'histoire. Ce n'est pas faire un pile comme ça. C'est nous avons tellement des hommes qui secouent l'humanité, des hommes qui font des grands merveilles, des hommes qui font des grands prodiges par la foi. Si nous citer pour nous, par exemple, la foi de William Carey. William Carey, c'était un cordonnier anglais. Donc, monsieur va entrer dans la liste de ce qu'on appelle les hommes de foi. William Carey, son cordonnier n'est pas destiné à rien, même c'est fait bon Dieu confiance. Non, fait bon Dieu confiance, il vient de surnommer monsieur le père de la mission moderne. William Carey font des classes que m'appelle pour même. William Carey dit comme ça que attendez de grandes choses de Dieu et tenez de grandes choses pour lui. Je reprends. William Carey, c'est un nec qui n'est pas destiné à rien, c'est un simple cordonnier anglais. Monsieur fait bon Dieu confiance. Ni a monsieur commencé à faire mission avec ti ça quel gars ses coudes sous l'île et n'en fait bon Dieu constat fait travail bon Dieu bien monsieur vient ce qu'on appelle le père de la mission moderne. Monsieur dit comme ça que attendez de grandes choses pour de Dieu et tenez de grandes choses pour lui. Donc William Carey par entrée son appel les grands hommes de foi à travers les âges. Nous gagne encore David Brenner comme étant grand homme de foi au 10e siècle. Monsieur le monsieur, c'est son grand missionnaire en net surtout. Nous avons encore Robert Morrison, des grands hommes de foi. Nous avons encore George Miller. Nous avons encore Hudson Taylor. Hudson Taylor lui-même, ces hommes-là, c'est des hommes de foi qui font bon Dieu confiance, qui viennent des grands missionnaires, qui font des grands merveilles par la foi. Donc, dans mes faut comprendre, amis internautes, par la foi, tout est possible. Par la foi, il y a un monde qui doit malade devant avec pandémie ça qui est le COVID-19 là ou impose les mains, les guérit totalement. Amen. Parce que nous vivons au moment côté l'argent pas qu'à faire. En Italie, mon a jeté l'argent. Il vient réaliser que l'argent pas qu'à faire. L'argent pas répondre à toute bagaille. Nous vivons au moment côté que la foi doit paraître sortir dans la Bible là pour le paraître dans la vie chrétienne pour sauver des vies. Parce que par la foi, nous dans la Bible, des mondes sont sauvés. Nous venons un peuple qui est Ninive pas le détruit par la foi sauvé. Nous jeune apôtre Paul non bac. Côté que quand la pas chaviré, il dit comme ça que quand la pas chaviré parce que moi là et me promet bon Dieu sous tête moi. Donc par la foi amis internautes, ou ka sécuriser une zone, ou ka sécuriser une famille, ou ka délivrer un pays. Donc dans temps actuel ça, le Seigneur a cherché des femmes et des hommes de foi. Parce que nous dans la Bible ça la foi fait, nous sommes dans l'histoire ça la foi fait, ça nous a cité encore par exemple et tu as une période en Afrique côté que tu as un génocide sur ton Rwanda. T'es un génocide côté que pile monde mouri. Il y a des hommes de foi qui campaient dans la prière pendant 3 jours. Il y a adoré le Seigneur. Le Seigneur délivre le pays. Il y a un pays qui est très avancé dans tout sens. Donc la foi qui a fait des grands merveilles. La foi pas seulement résume maintenant dans la machine mariage, mais la foi aller au-delà. La foi qui a levé au monde qui mourit après 3 jours.
La foi qui est pour même nous dans la Bible, côté que Lazare après 3 jours, Jésus-Christ l'évèle. Donc, par la foi, tout est possible. Amen. Par la foi, ça pense qu'il n'y a pas de café là, il n'y a pas de café par la foi. Donc, amis internautes, c'était 5 grands résultats sans taper ces fois que la foi a fait. Premièrement, nous disons ensemble avec vous, la foi il y a des résultats sur la vie personnelle. Deuxièmement, la foi a des résultats sur la vie familiale. Troisièmement, la foi a des résultats sur la vie ministérielle ou bien ecclésiastique, c'est-à-dire l'église qu'on a dirigé. Troisièmement, la foi a des résultats sur la communauté que tu habites, la zone où tu évolues, la communauté, etc. Les cas protégés, les cas sécurisés, les cas faits sociales par la prière, etc. Et troisièmement et cinquièmement, la foi a des résultats positifs sur la nation, côté quoi vivre là, côté Haïti, côté Chili, côté en France, parce que nous, que Joseph n'est pas dans le pays, l'été. Joseph est dans le pays étranger, mais à cause de son homme de foi, il sauve le pays. Ça dit, ou même, vous avez dit, vous avez au Brésil, vous avez au Chili, la foi que nous avons sauvé la zone côté. La foi que nous avons fait la différence, parce que nous, dans Hébreux chapitre 11, son chapitre qui est ce qu'on appelle héroïne de la foi, mais chapitre pas fini. S'il dit c'est par la foi Abraham, par la foi Enoch, par la foi Joseph, par la foi le Amen. Seigneur, nous dit c'est par la foi que pasteur Jorel, lui sauvons pays, lui sauvons commune, lui sauvons peuple pour le Seigneur. Amen. Donc ou même cap sur bon là tout. Qui est à la caille, qui est devant l'écran, ou qui est par la foi que docteur dit stérile, moi fait petit. Amen. À ces Hébreux 11, pas fait le cafouille, nous on en laisse ça. Ou qui est par la foi que maladie ça atteint, moi posé les mains, il guérit. Donc dans la foi, tout est possible. Car il est écrit tout est possible à celui qui croit. Et nous prenons un texte de base, comme on répète pour nous-mêmes encore, sur la base de Hébreux 11, verset 1, verset dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que. Dans un mot, c'est déjà, ce sont là ces 5 résultats que la foi a fait, et même plus que ça. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons merci, pasteur. Et ma foi qu'on est amis internautes, radio, télé-réveil, que vous avez bien besoin de la foi pour capable saisir des grandes choses et vivre des grandes choses dans le trône de Dieu. Parce qu'on a privé non qu'à fou, c'est sauf la foi qu'on a mis au dur. Amis internautes, radio, télé-réveil pour nous capables de poser des questions. Mais avant tout, partager, commenter, toujours sur page Facebook nous, Agi Delma 48 et YouTube nous, Pasteur Joël Thermidor Agi. Nous allons poser des questions avec Pasteur nous qui sur 5 points de parler. Première question que nous allons poser avec Pasteur nous, c'est qui ça? Nous avons constaté que les parents qui ont prononcé des choses négatives sur Timonio. Qui ont dit par exemple, où sortent? Ou ti volé ou bien ou pas rien. Est-ce que ça peut faire un impact négatif sur ti moun nan? Parce que ou se dit tout à l'heure, la foi a un résultat familial. Très bien. N'a pas deux versets ou cette belle question. Nous jouons tous les deux dans Éphésiens. Nous dans Éphésiens 4, verset 29. L'autre là, c'est dans Éphésiens chapitre 6 que dans plus nous connaissons. Dans Éphésiens 6, il dit qu'on a que enfant obéit à vos parents. Selon le Seigneur, les cas cela est juste, et puis les promesses qui accompagnent, etc. Mais un autre texte qui font encore, c'est Éphésiens 4, le verset 29, qui n'a plus pour amener nos cas selon par rapport à la question. Non, Éphésiens 4, le verset 29, parce que la question dit, est-ce qu'il n'y a pas un impact négatif long parent à prononcer des paroles, donc aux sortes, etc. Sur Simon. Mais ça, il a dit dans Éphésiens 4, le verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Dans mes amis internet, je suis très bien lecture. Il dit, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent, premièrement, à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il dit, et communiquent, ou me transférer une grâce à mon cap tendé là. Amen. Parce que la parole est faite sur mon qui tendé là. Maintenant, ça pour pas en connaître, il y a ça les plusieurs types d'autorité sur vie en monde. Par exemple, il y a autorité ecclésiastique, les pasteurs, les apôtres, dans l'église qui persévère. Gessa les autorités familiales, maman, papa, etc. Gessa les autorités politiques, autorités étatiques, par exemple président, une fois fin pour arrêter, donc tout le monde obéit. Ok, donc maintenant, en tant que parent, l'on prononce sorti mon nom parce que le pas apprendre les sorti vol et j'en passe. Donc, ou râler ou maudit si mon nom, ou déclarer pour le sort, ou déclarer pour le petit délicat,
ou déclarer pour ne pas jamais apprendre rien. Mais au contraire, pendant qu'il vient avec une mauvaise moyenne, donc il part ici, c'est le moment idéal pour prononcer sous lui. Pour dire au nom de l'esprit qui est l'esprit par la femme de Kao libéré en balle. Et pour prononcer, je déclare au vignon sénateur, sérieux. Je dis ça, sérieux à elle. Je déclare au vignon président sérieux. Je déclare au vignon homme de Dieu sérieux. Je déclare réussir dans la vie. Parce que parents ils ont autorité sur ces gens sur la base de Ephésiens 6. Nous, dans Ephésiens 4 lui-même, il dit qu'il est communiqué une grâce. Donc, parole qu'on a prononcée, il a communiqué une grâce sur ces gens. Donc, en un mot, oui, il a un effet négatif lorsque parents prononcent des paroles sur ces gens. Parce que le Seigneur connaît son autorité sur vie de ces gens. Donc, nous avons encouragé sur la base de cette question. Tout parle gon petit monde li pa ka apprendre donc li gon lacune dans n'importe domaine là apprendre prier avec apprendre prononcer des paroles de foi apprendre prononcer des paroles de grâce et n'a conclu pour dire nous on dans vie Jacob lorsque Jacob prend 12 puis il va mourir Jacob bénit tous les 12 Jacob rele les petites li à savoir petit Joseph yo verset Jacob bénit yo et nous à travers les saintes écritures parents chrétiens li gen grâce ka communiquer ti moun nan lorsque ti moun nan gon défense soit mental ou bien physique. Amen. Et si toutefois que ça le prononce pas suffisant en termes de grâce, comme grâce à l'étape, les cas j'ai un pasteur sérieux, y'a un homme qui fait le prix actif maintenant, et puis prononce des paroles de grâce pour ce monde, pour ce monde qui a réussi dans la vie professionnelle et dans la vie intellectuelle. Amen, pasteur. Deuxième question, mon gars, pour vous, c'est où sont parlé en pile sur la foi? Gloire à Jésus. Est-ce que y a un moment qui est favorable ou bien capable de dire un moment idéal pour capable exercer? Très bien. Oui, il y a des moments idéals. Il y a des moments, ça me des moments opportuns pour exercer la foi. Okay. Par exemple, il y a trois éléments de réponse pour tout le monde qui a suivi, donc par rapport à la question. Premièrement, c'est lorsque le temps de ta prophétie arrive à son thème. Par exemple, il y a des prophéties qui sont la vie ou qui ont un thème, qui ont l'heure fixée. Ou lorsque dans la Bible, on peut dire que autant que Dieu avait fixé pour Abraham. Chaque bagage, bon Dieu, il y a l'heure fixée pour lui-même. Il faut nous dire tout le monde clair. Dans la foi, comment pour nous connaître, il y a des bagages au moment des bons dieux faits à l'instant même. Il y a des bagages qui demandent du temps pour le faire. Par exemple, il y a des bagages même au moment de la même côté. Parce que bon Dieu, son bon Dieu qui agit rapide, son bon Dieu qui comprend tant qu'il demande la patience. La foi demande la patience. Donc, là, nous texte par exemple dans Habacuc chapitre 2, le verset 3. Verset 10, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, elle marche vers son terme. Et puis, si elle tape, attend là, car elle s'accomplira certainement. Donc, meilleur moment pour exercer la foi, c'est que une prophétie qui vient dans le terme. Parce que qui l'ont poursuivi dans le terme? C'est là, par exemple, où est que une prophétie était là pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 2 ans. Et puis, tout le monde vient dans ma soeur, je me rêve, ou bien tel bagage. Ou à un côté, prédicat après tout du doigt. Ou dormi même. Ou dans l'année, ça, il répétait plusieurs fois. Mais je ne débat l'illustration d'âme qui était gagné, bon Dieu, le mois d'avril. Ça dit, il fait 7 ans, mais sous 6 semaines, bon Dieu, connaît que la Baltimore. Nous, on a envie Sarah tout. Et pas Sarah, non. Nous, on a envie, par exemple, Anne. Anne arrive au moment côté que Anne, c'est vrai, pas de j'aime Gétimoun. Mais pendant que bon Dieu, c'est Baltimore, puis il a attaqué, à savoir rival. Et pendant l'attaque, Anne intelligente. À monter à côté de bon Dieu. Ça veut dire que dès que vous avez un moment côté que vous avez une prophétie sur la vie, et puis vous avez plusieurs mois, moi tel bagage pour vous, et il fait ça, ou vous faites songe là, ou pendant l'année ça, il y a dit tout bagage ça, c'est que bon bagage bon Dieu fait. Donc, première façon, c'est que le temps de ta prophétie arrive à son terme. Deuxième façon qu'on est capable de dire, c'est dans les temps de crise. Par exemple, lorsque tout bagage paraît noir, par exemple, pendant un moment de pandémie ça, Simon pour exercer la foi. Amen. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, verset 17, Dieu qui change les temps et les circonstances. Ça dit qu'il faut connaître que ça qui passe là, il n'est pas étonné, mon Dieu. La Bible dit quelque part dans les Psaumes, il dit l'Éternel était sur son trône lors du déluge, il dit l'Éternel était sur son trône, règne éternellement. Jusqu'à présent, mon Dieu a régné. Donc, il faut connaître que le meilleur moment pour exercer la foi, c'est pendant que la pandémie mondiale, ça, tout va apparaître noir. Et puis, on connaît que bon Dieu a fait intervention. Amen. Et dans le fait, tout le monde connaît que bon Dieu agit plus rapide, laisse tout le monde bailler la part impossible. Amen. Laisse tout le monde bailler. Donc, dans le moment de crise, c'est le moment idéal pour exercer gros la foi parce que bon Dieu fait gros bagage. Et troisièmement, c'est lorsque le monde dit tout ça est impossible. Au grand projet, tout le monde dit l'impossible. Tout le monde voit l'impossible.
Donc Dieu remet lorsque il y a impossibilité. Dans bon verset de référence. Par exemple, lorsque nous lisons par exemple dans Marc chapitre 9, le verset 23. Verset a dit comme ça que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, les comme ça, ou bien mot bon Dieu, ou senti bon Dieu avant, ou senti pas dans l'émotion, ou senti bon Dieu avant, et bien tout le monde nous a impossible. Donc, c'est le moment idéal pour exercer la foi. Donc, comme dit tout, notre Dieu est le Dieu des cas extrêmes. Exactement. Son bon Dieu, les bagues la plus extrême, les bagues la plus difficile, c'est les mêmes qui agissent plus rapide. Amen. Très bien. Amen. Troisième question, non, pasteur, c'est où sont dit l'église qui est dans la zone, c'est une bénédiction pour tout le monde qui vit dans environ, dans la zone. Okay. L'église a son sentinelle liée, il a pour son éclairon. Et la première question, parce que moun ça, bon Dieu peut montrer le plus devant, mais sentinelle de mettre dans la zone ça, pour te faire connaître, pas longtemps retourner chercher l'église, ou pas pour te faire la sourde oreille. Il y a un jugement, ça va prononcer plus rapide. Donc, ils sont malédiction, premièrement, en termes de finalité, à savoir, lorsque ils a enlevé, ils sont malédiction tout parce que lorsque mon nuit corps, bon Dieu a moyen pour le faire arrêter. Cela veut dire que les pambes sont du tout comme si pendant l'exa fonctionnait, comme si l'exa a fait ce qu'on appelle travail, bon Dieu, pasteur honnête, il clair, et vous choisir quand en opposition. Au contraire, au cas fait en sorte que bon Dieu voit aller plus rapide. Car il est écrit à l'éternel la terre, ce qu'elle renferme. Sauve de vie, dans mon et pour bon Dieu lié. Donc, le fait qu'on a respiré pour mon Dieu, etc. Au contraire, comme des états à l'air, il y a son protection des ponzones. Les sécurisons dans vie maladie, les sécurisons dans la vie explique entre cap tout le monde, mon grand témoin vivant par exemple, lorsque ministre établi que ces monde qui ont mouri. Donc une fois nous paraît dans zone ces monde pas mourir encore, même qu'elle pas converti. Lorsque nous pas gain monde qui était vendre dans champoel, monde ça gain vienne converti ou sauvé, gain pas converti mais à cause puissance l'exact dans zone là, yo protégé. Donc, en émotion, bénédiction pour une zone, pour une communauté, lorsque il y a des hommes, il y a des églises sérieuses qui sont dans une zone qui prennent la paix, la moralité, qui prêchent l'évangile réel, qui prennent des zones qui sont en émotion. Toute gloire pour le Seigneur, pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour la façon que l'État est intervenu à travers la vie. Donc, amis internautes, radio, télé-réveil, nous faisons connaître que nous arrivons dans la dernière série d'émissions sur la foi. Ou capable toujours suivre première et deuxième série en sur YouTube et sur Facebook. Continuez à partager et commenter. Et ou même qui perdu la foi, ou capable toujours écrire nous sur 37 11 99 24 44 39 95 94. Et 44 64 58 29. Nous avons fait place à Pasteur nous pour capable la prière pour nous parce que nous avons commencé de la prière, nous avons terminé de la prière. Mais avant tout, sous ta grand dernier mot, tu as aimé dire ou bien un conseil, Pasteur, qui s'est tapé. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous disons Dieu merci encore une fois de plus parce que les rendre possible pour nous partager la révélation des temps ensemble avec vous. Dernier mot, nous venons dans deux versets, c'est Jean 3, verset 16. Texte dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous même capteurs de nous qui pourquoi accepter Christ, le temps est venu pour accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous devez mettre la foi en Jésus-Christ, c'est le seul moyen pour sauver de la perdition éternelle. Et vous même qui devez faire la paix avec Christ, tant arrivé pour faire Dieu confiance. Parce que le Seigneur est content, le Seigneur est d'accord, leur fait confiance. Et leur fait Dieu confiance, son preuve qui montre que bon Dieu sait, bon Dieu, il a tout pouvoir, il a toute puissance. Il est aussi écrit, lorsque ça parle avec Marc, dans Jean chapitre 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que, non, soit il y a une possibilité pour la gloire, bon Dieu, si seulement et seulement si, ou d'accord, fait bon Dieu confiance. Nous allons prier ensemble, pour être fait mes côtoyés, nous allons prier pour nous conclure pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions infiniment. Merci pour tout ce qu'on fait dans la vie nous. Merci Seigneur Dieu pour toutes les amis qui t'es branché, qui t'as tendu, qui t'as gardé. Merci Père Tout-Puissant parce qu'on remet nous en pile. Merci parce qu'on fait provision pour nous en la parole. Merci Père Tout-Puissant parce qu'on fait provision pour nous. Texte a dit que les lieux sont évolués et la fin. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Merci Père Tout-Puissant parce qu'on t'a dit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au moment de ça, au moment de crise ça, au moment de pandémie, tout le monde peut, tout le monde confiné la caillou, ou avec nous. Merci Père Tout-Puissant parce que nous, par la foi, nous avons renversé les murailles. Par la foi, nous avons fait le nombre. Par la foi, nous avons levé les gens qui mourent.
par la fois on a fait des bagages extraordinaires. C'est levé mais nous en l'air, nous bénis chaque monde qui t'a regardé, nous t'a attendu nous. Nous bénis c'est Dieu chaque monde qui est d'accord chita devant écran yo, devant laptop yo, devant télévision yo pour qu'a béni avec nous. Que grâce ou couvre yo, que la foi augmenter, que aussi des femmes de foi, que aussi des hommes de foi, que Hébreux chapitre 11 nous éclaire spirituellement pour capable grandir amen de foi en foi, de victoire en victoire, de grâce en grâce et lorsqu'on vient chercher l'église pour qu'a monter avec nous de la gloire. Nous vous merci concernant nous prions concernant nous pas à nous, mais au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. On dit souvent que toute bonne chose a une fin. Alors c'est la fin de cette série d'enseignements sur la foi. Nous casser rendez-vous sur une autre série d'enseignements. Au revoir et à bientôt.